Et tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va consister à présenter le déballage de l'iPod Touch 6. Alors voilà l'iPod Touch. Alors déjà on va l'ouvrir. En fait, je l'ai déjà depuis, je sais pas, deux semaines. On va dire comme ça dans les alentours. Voilà, alors là je l'ai remis proprement dans sa boîte et tout. Du coup ça fait qu'il n'y a plus les petits plastiques sur le chargeur et tout. Du coup c'est pas grave. Mais c'est pas grave, du coup voilà. Normalement là il y a un petit truc pour ouvrir là avec la pomme d'Apple. Alors on va faire. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Il y a l'iPod sur un socle. Moi, je vous l'ai dit, j'ai déjà plein de trucs dessus. Voilà. Là, le socle est un peu sale. Sinon, l'iPod, j'en prends super soin. Comme vous pouvez le voir, il est sur un socle. Voilà, je vais poser le socle. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, un petit fichier d'utilisation avec tous les secrets iPod Touch, les deux boutons de volume là, bouton marche à réveil, ça c'est le bouton principal, là c'est le connecteur Lightning, c'est le chargeur qui se branche avec deux sens, et ça franchement je trouve ça trop classe, vous voyez là. Ça se branche dans les deux sens, c'est exactement pareil. Après, il y a le même petit fichier, mais en anglais. Mais c'est quand on l'achète, c'est le premier. C'est là, ils disent que garantie limitée d'un an Apple. Voilà, avec toujours la petite pomme d'Apple. Ça, pareil en anglais. Ça, c'est des infos. Et là, les fameux autocollant. Là, je sais pas si vous les voyez. Là, il y en a qu'un vu que j'en ai déjà collé un sur l'étagère là-haut. Attends, je vais vous montrer. Vous voyez? Hop. Voilà. Du coup, on va tout remettre bien. Alors voilà, le petit fichier. Non, je vous l'ai déjà montré, mais ça donne ça en tout. Petite épaisseur. Après, on va continuer à déballer. Ah, punaise. Il faut quoi, là? Il faut un autre truc. Ça, c'est le socle des quoi, déjà, des AirPods, voilà. Je ne me rappelais plus le nom des écouteurs, c'est marqué derrière. Sauf que, comme vous pouvez le voir, ils sont plus, ils sont là. Franchement, ils tiennent trop bien dans l'oreille. Avec le petit truc jack. Vous voyez, il y a deux sorties de, même trois, je crois. Ça, je sais pas si c'en est une. Je sais pas, faudrait voir. Là, c'en est une, c'est sûr, là aussi. Et pareil de l'autre côté, c'est exactement pareil. Là, c'est écrit L et R. Voilà, ils sont quand même assez longs. Oh. Moi, franchement, pour écouter de la musique sur mon téléphone, sur mon truc et tout, je prends ça. Voilà, alors les nouveaux. Attendez, je vais vous montrer les anciens. Voilà les anciens chargeurs USB d'Apple. Déjà ils sont plus longs. Puis ils se mettent que deux côtés. Regardez la différence. Ancien, nouveau. Qu'on retrouve sur les 5S, 6, 5. 4S je crois, 4S je suis pas sûre, je suis
pas sûre du tout. Alors, ça vous montrer, ça aussi. Mais je ferai un petit tour dessus tout à l'heure pour faire un... Oui, vous verrez. Alors, voilà, c'est tout ce qu'il y avait dans la boîte. Maintenant, on va parler du design de la boîte. Or, le packaging de chez Apple est toujours bien, bien, bien stylé, quoi. Sauf que là, la pomme d'Apple est à l'envers. Chelou, ça. Regardez. Pourtant, quand on achète l'iPod, il vient comme ça, la boîte. Et là, la pomme est à l'envers. Voilà, on s'en fiche, on verra ça après. Vous voyez le petit socle en plastique. Plastique imitation vert avec la petite notation iPod Touch. Là, c'est tous les code barre, les trucs. Moi, c'est un 16 giga en bleu. Vous pouvez le voir, il est bleu. Voilà. Là, toutes les notations. Et l'iPod comprend un iPod Touch. Non mais, ça c'est sûr. Des écouteurs AirPods, un câble Lightning USB, prise charge Wi-Fi et Bluetooth. Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles de toutes les régions. Formation supplémentaire. Voilà, ils disent plein de trucs. Alors, du coup, là, on a fait le design de la boîte aussi. Là, c'est écrit Design by Apple in California. Et il est assemblé en Californie. Attendez, que je raconte pas de bêtises. Parce que j'avais vu ça déjà. Ah, désolé. Je sais plus, enfin... Ah bah c'est sur l'iPod, je suis con. Je vais avoir Design by Apple California assemblé en Chine. Oh là, le petit boîte. Maintenant on va s'intéresser après, vu que moi je l'ai déjà défait dessus parce que je vais pas rester 2 semaines avec le petit sac. Du coup, une fois que tu l'as défait, c'est bon. Par contre, c'est vraiment chiant à l'enlever. En fait, non, tu galères encore un peu. Ah! Putain, je suis con. Je l'ai allumé. Et je voulais pas l'allumer. Enfin, on s'en fout. Voilà. Tant que je vais nettoyer le sac, parce qu'il y a un petit blanc dessus. Avec mes traces de doigts, l'iPod qui est tout fin. Maintenant on va regarder le design de l'iPod. Déjà la pomme d'Apple là, iPod là, c'est je sais plus quoi, désolé, le flash qu'on trouvait pas sur les autres iPod, sur le 5 y est l'appareil, l'objectif qui ressort. Voilà, vous voyez. Sur les côtés, c'est brillant. Et il est plus grand que sur les autres iPod. Franchement, il est plus grand. Voilà, il est plus grand. Plus fin. Enfin, si, mais en fait, là, je parle... En fait, quand je parle du 5 et du 6. En même temps, c'est les mêmes. Sauf qu'en fait, la différence avec le 6 et le 5, c'est que le 6 prend des plus belles photos. Voilà. Le bouton Home, avec un petit carré dessus, un petit cube. Là, la caméra frontale. Voilà. Le bouton Volume. Moins plus, enfin, je crois. Oui, sûrement, enfin, ça paraît logique. Après, l'embout jack, Lightning et le haut-parleur, le micro.
Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que je reviendrai sur l'embout Lightning, je vais vous le mettre là. Je prends ce côté. On tourne. Voilà. Tac. Voilà. Ça, c'est vraiment trop classe. Voilà. Tout. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'ils fournissent pas. Ils fournissent pas le lecteur secteur. Enfin, c'est ça, je crois. Enfin, le truc pour mettre dans la prise. Voilà, il est joli en bleu comme ça. Il sort bien. Après, là, toujours les petites écritures. On va mettre à la poubelle, c'est écrit. Petit flash. Qui n'y était pas avant sur l'iPod 4, je crois, ça doit être le 4. Voilà. Attendez 2 secondes, les abonnés, enfin les amis, enfin ce que vous êtes. Voilà, c'est bon. Alors maintenant, on va l'allumer. La petite pomme d'Apple qui apparaît. Voilà. Voilà. Commencer. Et vu que l'iPod est plus grand, du coup ça offre une rangée d'applications en plus. C'est pas grand chose, mais c'est mieux que rien. Avec là, quand on appuie plusieurs fois, c'est la truc multitâche. Là, c'est un jeu de moto. Attendez, je vais faire une partie, mais là, vu que je suis à l'envers, ça va être nul. Enfin, je vais être nul, normalement. Wouhou! Je suis 8e, je suis dernier. Attendez. Hop, hop. Qui whip. Ah, merde! Bon, allez. Alors, on va le poser comme ça. C'est tout. Un petit tour encore une fois. Vous voyez mon truc que je fais. Voilà. Bon, cette vidéo est à présent terminée. Ciao tout le monde.